Il y a bien de choses à dire au sujet de l'adoration, beaucoup de choses qui ont déjà été dites. J'essaie ici de résumer, à travers ces quatre résumés, ces quatre lignes, ces quatre pensées majeures, résumer un grand nombre de choses qu'on peut dire sur l'adoration. Ce n'est pas tout, je voudrais déjà vous prévenir, ce n'est pas tout. Pour quelqu'un qui ne se souvient pas de la dernière fois qu'il a été ici, c'était en quelle année, il ne faut pas faire confiance à toute ma mémoire. Donc, ça ne serait pas tout. Mais la première des choses que je peux vous dire, bibliquement, avec certitude, première des choses, l'adoration est un style de vie. Si vous voulez comprendre et définir l'adoration, sachez que l'adoration est un style de vie. Je m'évite d'emprunter les mots en hébreu et en grec pour vous dire l'étymologie et tout ça, non. J'aimerais en fait vous faire comprendre ce concept de l'adoration dans la Bible. Lorsque vous entendez le mot adorer, le verbe adorer, parler de l'adoration dans la Bible, pensez tout de suite à un style de vie. Adorer Dieu, ce n'est pas venir lui étaler des belles paroles. Il n'y a rien de si spécial que vous puissiez dire qui puisse intimider celui qui s'appelle du nom de la parole. Vous n'avez aucune parole pour lui faire sentir genre, c'était fort ça. Il est Dieu. L'adoration n'est pas une poésie. L'adoration ne vient pas se faire à l'église. On ne se branche pas et puis se débrancher de l'adoration. L'adoration, ce n'est pas ce que vous faites, c'est ce que vous êtes. On ne fait pas de l'adoration, on est une adoration. Vous devenez un parfum de bonne odeur. Vous existez pour le plaisir de Dieu. Alors, que vous mangez, que vous buviez, que vous parlez aux gens, ou même que vous dormiez, tout de vous devient un parfum de bonne odeur. Ce que vous êtes pour Dieu, votre style de vie, c'est ça qui est votre culte vivant. L'adoration, c'est votre style de vie. Ça signifie quoi? Dieu prend soin des détails inutiles comme ça. Écoutez, vous mettez Dieu deux fois dans des détails inutiles. Dieu regarde seulement le cœur et puis le tout, c'est fini. Alors, c'est peut-être cette mauvaise façon d'imaginer que Dieu, il est pour tout ce qui est immatériel. Et tout ce qui est matériel, c'est humain. Dieu, il n'est que pour tout ce qui est immatériel parce qu'il est Dieu. Il n'est que pour ce qui est invisible. Détrompez-vous, mes frères. Le livre d'Hébreux dit ceci. C'est par la foi que nous croyons que tout ce qui existe, existe par la parole de Dieu. De sorte que ce qui existe vient de l'invisible. La Bible reconnaît et accepte que le matériel a été créé par le spirituel. Ce que vous appelez matériel, ce n'est pas une chose distincte du spirituel. C'est ce que le spirituel a fait. Le matériel est une extension du spirituel. C'est-à-dire, le Dieu qu'on ne voit pas a fait la terre que l'on voit. Le Dieu qu'on ne peut pas attraper a fait le sol sur lequel nous marchons. Quoi qu'il ne soit pas matière, Dieu crée la matière. Ce qui signifie que Dieu peut mettre dans la matière une expression de notre consécration, abnégation, reconnaissance de sa personne. C'est pour cette raison qu'il dit, construisez un temple. Bah, qu'est-ce qu'il veut en faire? Ben, construisez un temple. Respectez ce qu'il vous demande de faire. C'est pourquoi il dit, mettez une offrande, je vais envoyer le feu. Qu'est-ce que ça a à voir? Écoutez, est-ce que vous ne trouvez pas ça aussi exceptionnel que la Bible dise des phrases du genre, la vie est dans le sang. Pourquoi Dieu ne pouvait-il pas nous sauver sans se faire chair? Qu'est-ce que la matière avait à voir avec notre salut? Qu'est-ce que le fait de devenir chair, de mourir à la croix, et sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon? Un Dieu aussi puissant ne peut pas trouver une autre méthode qu'une méthode immatérielle? Parce que ce que nous avons tendance à appeler matériel, puisque nous le voyons, le touchons, nous pensons que c'est au niveau de notre contrôle. Parce qu'on le voit, parce qu'on le touche, alors on peut le manipuler, alors ça n'a rien à voir avec Dieu. Oh, détrompez-vous, même vous, vous êtes une œuvre de Dieu. Ce n'est pas parce que c'est matérialisé que l'homme a tout pouvoir sur ça. Vous savez, j'aime bien la science et tout. J'aime surtout quelque chose qu'on fait généralement dans la science, c'est qu'on a tendance à nommer notre ignorance d'une manière si intelligible que ça sonne intelligent. Ouais. C'est-à-dire que, comment ça s'appelle la maladie? Syndrome immunodéficience acquise. C'est quoi?
ce syndrome. C'est-à-dire que quand on trouve un nom, c'est qu'on connaît la chose. Mais en réalité, on peut donner un nom qui veut dire « voici le nom de la chose qu'on ne connaît pas ». Et ce nom-là suffit pour que ça devienne une référence. Et parce que l'homme, vous savez, le pouvoir de l'homme est dans la nomination. Quand Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, il a dit « nomme les choses ». Et l'homme a tendance à croire que s'il peut nommer, donc il a le pouvoir et le contrôle sur cela. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'adoration, ce n'est pas le fait que vous fermez vos yeux, quelque chose se passe dans votre esprit. Non, c'est ce que vous mangez, ce que vous buvez, où vous allez, avec qui vous parlez, comment vous vous habillez. Même dans certains détails, vous n'avez pas l'impression que ça concerne Dieu. Ah ben, ça le concerne. Absolument. Vous dites, mais qu'est-ce que Dieu a à faire avec ça? C'est un style de vie. Si vous êtes parent, avez-vous déjà ressenti la douleur de voir un de vos enfants sortir de sa chambre et vous regarder? Tu vas sortir comme ça? Et il se regarde, et quoi alors? Non, tu te rends compte, bon, il est devenu indépendant, je ne sais rien dire. Mais non, je demandais seulement. Mais au fond, tu ne demandais pas. Tu avais envie de dire, rentre dans ta chambre, change-toi. Mais tu t'es dit, bon, déjà devenu à cet âge, je ne peux pas vraiment me battre contre ça. Écoute, mais qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Ce sont ses habits, c'est son corps. Mais c'est mon sang, c'est mon image. Il y a quelque chose de moi en lui. Sa vie n'est pas que sa vie à lui seul. Sa vie nous concerne. Si quelque chose lui arrive, c'est moi qu'on va appeler. Alors, c'est cette sensation-là qu'a le Créateur qui a osé nous créer à son image et à sa ressemblance. Votre style de vie est le style de vie de l'image de Dieu. Et vous croyez que ça ne l'intéresse pas? Et Dieu... Ce qui signifie, de la même manière qu'un parent se sent honoré par un enfant dont le style de vie est tel que tout le monde se dit « Waouh, de qui est-il fils? De qui est-il fille ?» De la même manière, Dieu se sent comme ça honoré. Et pour ça, vous n'avez besoin d'aucun mot, aucune parole. Avant même d'ouvrir sa bouche, vous êtes déjà un parfum de bonne odeur. Vous vous souvenez du jour où Dieu a présenté Job à Satan? Ce n'était pas à cause des paroles. Hein. Il n'a pas dit, Satan, viens voir, il y a quelqu'un qui parle très bien. Il dit, Satan, viens voir, est-ce que tu as déjà vu mon serviteur Job? Il n'y en a pas comme ça sur la terre. Bon, c'est quand même aussi un côté assez particulier de cette histoire où, quand Dieu t'aime beaucoup, tu te présentes à Satan. C'est quand même un peu... Dieu a tant aimé Job qu'il a présenté à Satan. Ça montre comment il est si content de toi. Dieu est si content de Job qu'il ose appeler même l'adversaire. Il dit, Satan, est-ce que quand tu passes par là, tu le vois? Et écoutez Job, Job dit, non, le diable dit, non, c'est parce que tu l'as tout donné. Il mange, il boit, tout ça. Il dit, non, ça n'a rien à voir. Cet homme, il y a quelque chose, il y a une connexion entre nous. Tu peux aller prendre tout ce que tu veux. C'est quelqu'un qui a une relation avec moi. Ce qui m'amène à ma deuxième chose. L'adoration est une relation. Lorsque l'on dit le mot adorer ou le concept adoration, on ne parle pas de quelque chose de distant, de protocolaire. On parle d'une relation. Ça se développe. Ça s'améliore. On comprend de plus en plus. Allez, dans cette relation, ce n'est pas Dieu qui nous comprend de plus en plus. Il nous comprend parfaitement. C'est nous qui commençons de mieux en mieux à savoir à qui nous avons affaire. Et comme dans toute relation, vous sentez que ça, elle devient un peu plus profonde, plus intime. On comprend mieux, de mieux en mieux l'autre. Adorer Dieu, c'est être en relation avec lui. Et dites-moi, une relation, c'est à quel moment? Tout le temps. Même à distance. C'est ça une relation. Quand on est en relation avec une personne qu'on aime, on est en relation. Pas en sa présence physique. On est en relation partout. On lui appartient. On veut lui exprimer notre fidélité.
nos actions, nos paroles. Quand je dois m'entretenir avec une autre dame, les mots que je dois utiliser, les verbes que je dois conjuguer, même la distance que je dois tenir entre elle et moi pendant notre conversation, les mouvements que je dois avoir quand nous sommes en train de parler, la façon de m'approcher d'elle, tout cela est dicté par le fait que je suis un homme marié. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je suis en train de parler. C'est-à-dire que la relation que j'ai dicte comment je vis tout le reste de ma vie. Et c'est ça qu'on appelle l'adoration. Adorer Dieu, c'est vivre avec une conscience permanente que tu appartiens à quelqu'un d'autre. Tu es dans une relation privilégiée qui dicte toutes les autres relations que tu as sur la terre. Tout ce que je fais, tout ce avec quoi je suis en interaction après, dépend du fait que fondamentalement j'ai déclaré fidélité à un Dieu. Vous savez, si ma femme n'est pas partout pour me voir, m'entendre. Quelqu'un dit qu'il semblait qu'il y a quelque chose de, quelque chose du GPS dans toutes les femmes. Je ne sais pas comment. Il dit, elles ont toujours le réflexe de, dès qu'il t'appelle, il dit, allô, tu es où? Il y a la préoccupation à la localisation dans toutes les femmes. Je ne sais pas. Je ne confirme pas. Je ne confirme pas, mais je... toujours ce truc où quand il t'appelle, oui, allô, ça va, chérie, tu es où? Bah, je ne suis pas perdu. Bon. Mais, écoute, tu lui appartiens, veux savoir où tu te trouves. Quelqu'un qu'on aime, on veut bien savoir où il est. Même à distance. Vous vous souvenez, au jardin d'Eden, Dieu arrive et dit, Adam, tu es où? Parce que se préoccupe de toi. Où que l'on soit, on est en cette relation. On en garde même des symboles physiques pour nous rappeler que nous avons une relation. On tient sa bague. On a des attitudes. On a un petit cadeau. On a des photos dans nos téléphones. On garde des petits symboles qui nous rappellent. On a mis des petites photos dans nos bureaux. On veut se rappeler qu'on est en relation avec quelqu'un. Et on en a besoin. Et la vie chrétienne, c'est ça. L'adoration, c'est ça. C'est avoir une relation avec Dieu et remplir notre journée des rappels que j'appartiens à un Dieu saint, à un Dieu qui veut être respecté tant que tel. À un Dieu que je dois craindre. Chaque fois qu'on dit mot craindre Dieu, ça fait craindre Dieu. Ces mots-là veulent simplement dire respecter, honorer. D'ailleurs, la première fois que le verbe « adorer » apparaît dans la Bible, c'est dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 22. Et son sens principal, c'est l'idée de craindre, d'honorer. Il apparaît lorsque Abraham s'en va offrir Isaac à la montagne. Il dit aux serviteurs, il leur dit, « Vous restez ici, moi et l'enfant, nous irons à la montagne pour adorer. » C'est la première fois que le mot apparaît là-bas. Il dit, nous allons à la montagne pour adorer Dieu. Ce mot en hébreu, c'est un mot qui n'est pas utilisé dans toute autre forme de langage pour dire adorer. C'est un mot qui est prêté que, qui n'est utilisé que lorsqu'il s'agit d'adorer le Dieu puissant, Dieu, le Dieu de la Bible, Yahweh, Adonai. On ne l'utilise pas pour d'autres formes de divinité. Il dit, nous irons là-bas pour aller adorer, respecter, honorer. Le mot revient encore quand Dieu, toujours dans le même chapitre 22, quand Dieu, en concluant l'exercice qu'il avait donné à Abraham, il dit, Abraham, ne porte pas la main sur l'enfant. J'ai vu aujourd'hui que tu me crains, que tu m'adores. Le mot revient là-bas. Il dit, je vois aujourd'hui par cet acte-là que tu m'adores. Il a parlé, non. Y a-t-il eu de la musique? Non. Bien avant qu'il n'y ait de musique, l'adoration a déjà commencé. Mes frères et sœurs, l'adoration ne commence pas ici à l'église. Elle est déjà un style de vie. C'est déjà une relation que vous avez avec Dieu. C'est une relation, j'insiste, une relation. Pasteur, est-ce que ça veut dire qu'il faut que je lise ma Bible tout le jour? Non, je n'ai pas dit ça. C'est comme si tu me demandes, pasteur, ça veut dire qu'il faut que je dorme avec ma femme à la même maison? Moi, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que vous êtes mariés. Et j'ai dit, essaie de ne pas dormir à la maison. Juste pour voir. Ne prenez pas cela comme des injonctions. On ne te fait pas la pression. C'est une relation.
dans une relation, on se doit l'un à l'autre. Écoutez-moi, ce n'est pas en lisant la Bible que vous plaisez à Dieu. Quand vous lisez la Bible, c'est pour vous-même. Vous savez, des fois, nous, les chrétiens, nous nous comportons vraiment comme des enfants. La Bible a raison dans tous les cas. C'est dès qu'on devient chrétien, on devient d'abord enfant de Dieu. Vous avez l'impression que les gens, ils sont redevenus des enfants, quoi. De fond, on se comporte vraiment comme des enfants. Seigneur, pourquoi je dois faire ça, pasteur? Pourquoi craindre Dieu? Est-ce que ça signifie que je ne dois pas faire ceci, je ne dois pas faire cela? On est vraiment comme des enfants. Vous voyez, quand on les demande d'aller se laver. Va te brosser les dents, va dormir. Bon, tu veux pas me brosser les dents. Allez, va. On est comme ça. On pense que les parents, ils nous font souffrir. Ils nous demandent d'aller nous brosser les dents avant de dormir. À cet âge-là, c'est ce qu'on pensait, non? On se disait d'ailleurs, moi, quand je deviendrai grand, je ne demanderai jamais à mes enfants de brosser les dents avant d'aller dormir. Ah ouais, vous êtes là. Et vous êtes devenu champion de demander à vos enfants d'aller brosser les dents avant de dormir. Parce qu'on pensait qu'ils mettaient trop de lois. C'est trop. Quand ta maman te dit, mais n'amène pas des amis comme ça à la maison sans me prévenir. Bah maman, c'est juste dans ma chambre. Ok. Dans ta chambre, dans ma maison. Dis, allez maman, on ne dérange même pas, on va rester là-bas dans la chambre. Mais tu n'avais pas le sens de la responsabilité. Tu ne sais pas que dans ta chambre, ce n'est pas toi qu'on va arrêter. Hein. S'il y a quoi que ce soit qui arrive là-bas, il y a un responsable. Ta chambre se trouve sous ma responsabilité. Et nous, quand on est encore tout petit dans la foi, on a l'impression que toutes ces choses, ces éléments pour nous guider, sont des lois qui s'imposent à nous. Tu ne lis pas la Bible pour faire plaisir à Dieu, tu lis la Bible pour grandir. C'est pour toi. C'est pour toi-même. Et je vais me permettre ce terme. La substance avec laquelle tu es créé fonctionne avec la parole de Dieu à l'intérieur de toi. Nous sommes faits de la parole de Dieu. Et si nous devons rester alimentés, nous devons rester alimentés par la parole. Christ étant venu, est venu nous restaurer. De sorte que le péché d'Adam qui nous a ramenés en bas, nous soyons restaurés dans notre véritable nature. Et n'oubliez pas, c'est par la parole que nous avons été créés. Et lorsque tu restes en permanence avec la parole, tu demeures dans ton état comme Christ voudrait que tu puisses être. Ce n'est pas parce que le pasteur nous dit de méditer jour et nuit. C'est que tout ce qui est en moi me dit, médite jour et nuit. Je ne prie pas pour faire plaisir à Dieu, ni parce que j'ai peur du diable. C'est ma nature. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu. Je ne fais pas le mal pour bonne conscience. Non, c'est ma nature. Ces choses-là ne me concernent pas. Parce que l'adoration, mes amis, est une relation. Elle commence bien avant les portes de cette assemblée. On n'entre pas ici pour adorer. On entre ici parce qu'on adore. Ce n'est pas ici que va commencer l'adoration. Ce sont nos cœurs enflammés qui viennent déjà pour rendre culte à Dieu. Troisièmement, l'adoration s'exprime par une conversation. Alors, c'est important. Si l'adoration est une vie, et que l'adoration est donc un style de vie, et que l'adoration est une relation, à un moment particulier, on veut bien exprimer l'adoration. Il y a parmi les différentes façons d'exprimer notre adoration. Tout à l'heure, on a exprimé notre adoration par nos chants. On a exprimé notre adoration par nos danses. On a exprimé notre adoration par notre argent, en donnant. Mais l'adoration s'exprime aussi par une conversation. Par un moment où nous parlons à Dieu et Dieu nous répond. N'est-ce pas? Toute relation est pareille. Vous n'allez pas dire que vous avez une bonne relation avec quelqu'un avec qui vous ne parlez jamais. Et vous savez très bien que quand quelqu'un commence à trop parler avec quelqu'un d'autre, ça veut dire que sa relation est montée quand même. Hein. C'est dit, moi j'aime pas ça, tu passes tout ton temps au téléphone à parler à un tel. Pourquoi on te dit ça? C'est dit, je commence à avoir l'impression qu'il prend un peu plus d'attention, n'est-ce pas? Ça veut dire que cette relation devient dangereuse et commence à devenir plus profonde. On n'a rien fait, on n'a fait que parler. Non, c'est justement tout ça là, ça commence par parler. Vous savez très bien qui dit ça, moi je dis ça, je dis rien, j'ai juste... Ça sonne un peu familier. J'ai déjà entendu ça quelque part. Pourquoi? On sait que plus vos conversations sont régulières, plus votre relation devient profonde.
C'est à ça que ça sert la prière, justement. Et parmi les différentes formes de prière, parce que dans toute conversation, on ne parle pas que de la même chose. Dans une conversation, on a plusieurs sujets. Et dans cette conversation large appelée prière, il y a plusieurs sujets, dont l'adoration. Donc, il existe un moment où on exprime cet amour-là. Allez, tout le jour, je suis conscient que j'aime ma femme, qu'on est mariés, ça va 15 ans, non, je crois que cette année, c'est la 15e. Comme je vous ai dit, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Je suis conscient de mes faiblesses. Alors, autant je l'aime, voilà, mais au moment où je suis en train de prêcher ici, je ne suis pas obligé de dire j'aime ma femme, j'aime ma femme, j'aime ma femme. Mais je l'aime de façon continue et permanente. Mais il existe un moment de notre journée où on doit se le dire finalement. On doit dire ce qu'on est. On doit articuler par des mots la nature de la relation qui nous lie. On doit conjuguer le verbe aimer d'une manière ou d'une autre. Même si aimer n'a que de conjugaison par être attentif, penser à lui, prévenir. Parce que l'action d'aimer, ce n'est pas une seule action, c'est un ensemble des choses à faire. Mais il y a un moment M où je dois m'arrêter de lui dire. Je me souviens, on venait de se marier. Piètre célibataire devenu marié que j'étais. Il y a plein de choses que je ne connaissais pas. Merci Seigneur pour ma femme. Donc, la semaine passe bien et on est dans notre nouvelle maison. Je vais au bureau, les entretiens, je vais recevoir des âmes, prier avec eux, midi, 13h, 14h, 15h. Ma femme est qui ? Elle dit, mince, ces derniers temps, je te sens distant. Je regarde. Elle dit, ça, ce sont des combats. J'ai laissé ça à côté. J'ai... Un moment, un temps libre, j'ai dit, chérie, je suis distant. Ça signifie quoi ? Mais j'étais vraiment intrigué. J'ai dit, on a dormi sous le même lit. À quelle distance ? De quelle distance elle parle ? Vous voyez ? J'étais perdu, j'ai dit, mais distant. Puis je dis, mais de quoi tu parles? Dis, même depuis le matin, tu m'as rien dit, tu es parti seulement comme ça, ces derniers temps quand tu pars, tu ne me dis rien. Je dis, tu ne m'as même pas dit que tu m'aimais. Alors, en finissant vers 18h, 17h de chez nous, je me suis dit, je vais aller fixer cette affaire une bonne fois pour toutes. Je me prépare, je rentre à la maison, elle est là, elle m'accueille, on est à table, on mange et tout. Et puis, j'ai dit, chérie, j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, je suis très sérieux. Depuis le 29 novembre 2009, où je t'ai dit en public que je t'aimais, j'étais sérieux. Donc, le jour où tu ne m'entends pas le dire, tu peux utiliser ce que j'avais dit ce jour-là. Je vous avais dit que j'étais mauvais, j'étais très mauvais. Mais si j'osais demander aux hommes si ça c'était praticable, ils diront tous amen. Hein. Ça serait très pragmatique pour nous, franchement, des fois, de juste utiliser la même chose qu'on avait déjà laissée, en public en plus. Je lui ai dit, je suis un homme sérieux, je ne reviens pas sur mes engagements. Le jour-là, j'avais dit en public à tout le monde, je t'aime. Le jour en matin, je ne l'ai dit pas, souviens-toi de ce jour-là. Que j'ai... En fait, j'ai compris qu'elle ne voulait pas juste me mettre la misère de commencer à parler. Elle sait que je l'aime. Mais elle veut l'entendre. C'est important qu'elle l'entende. C'est important que ça soit affirmé au jour le jour. Vous savez, Dieu sait ça. C'est pourquoi la Bible dit chaque matin, il renouvelle ses bontés. On aurait pu utiliser la bonté d'hier. Mais ce matin, il dit, je veux faire une autre bonté d'aujourd'hui. Juste pour te dire que je suis attentif à toi à chaque jour. Et je peux te le prouver que je t'aime chaque matin. Ce qui signifie que dans cette relation d'amour, Dieu ne doit pas rester là en train de se dire, dans tous les cas, il m'aime. Hein? Seigneur, je t'aime, tu le sais, c'est bon, je te le dirai vers 17h à l'église. Pendant la journée, je peux vivre ma vie comme je veux. Non, ça ne se passe pas comme ça. Dieu voudrait aussi qu'on s'arrête un moment, qu'on parle. Ça vous a jamais intrigué de savoir que Dieu sait ce que nous pensons, mais il veut que nous parlions. Même Jésus, dans son enseignement, il dit ceci, hey, quand vous parlez, ne parlez pas comme si vous tentez d'informer Dieu ou en pensant que c'est à force d'arguments que vous allez le convaincre.
Parce qu'il connaît même nos pensées. Je crus que Jésus allait dire, alors, il connaît tellement nos pensées, taisez-vous, quoi. Il n'avait rien à dire, il sait ce qui se passe. Non, 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 non. La parole est le canal de la spiritualité. Je vais répéter ça. Tout ce qui se passe par l'esprit se passe par la parole. Et au point que la Bible dit que la parole, c'est l'esprit. Ça devient intéressant quand vous voyez que le mot en hébreu pour dire parole, pour dire esprit, veut dire vent, veut dire souffle. Autant comme on en sort dans notre parole quand nous parlons. En réalité, le langage, la bouche, parler, s'exprimer, c'est plus qu'une activité physique. C'est spirituel. Lorsqu'une personne utilise des mots, c'est parce qu'il veut prendre son état d'esprit pour te le donner à toi. Allez, appelez ça communication si vous voulez. Hein. Mais c'est le fait qu'il a une façon de réfléchir, il a un état de son esprit qu'il veut que tu puisses savoir. S'il est fâché, il veut que tu ressentes sa colère. Et pour ça, il va choisir les mots qui vont te faire ressentir l'état de son esprit. Au point que quand il a fini, il est moins fâché. Toi, tu es plus fâché. Il y a transfert clair à travers les mots et les paroles. Alors, Dieu aime que nous puissions exprimer totalement ce que nous sommes à l'intérieur de nous en usant des paroles. Et c'est à ce moment-là que nous faisons une prière d'adoration. Et ce n'est pas à l'église qu'il faut le faire seulement. Il faut s'entraîner à le faire chez nous, à la maison. Je trouve certains chrétiens qui s'éventent du fait qu'ils font moins de temps dans la prière. Ils disent, moi, je ferme mes yeux, je fais une petite prière, et puis c'est bon. Et le Seigneur, il sait, il connaît mon cœur. Waouh. Vous vivez comme ça toutes vos relations? Pourquoi ne faites pas ça avec la télé? Non, avec votre téléphone. Je fais juste un petit coup d'œil. Les réseaux sociaux savent que je suis passé par là. Il y a des gens qui se comportent avec les réseaux sociaux comme si s'ils ne regardaient pas un message un jour, on les désabonnerait. Qu'est-ce qui vous fait croire que peu avec Dieu, c'est bien? Comme si, avec Dieu d'ailleurs, ce serait mieux d'en faire très peu, sans trop dépasser. Waouh! Quelqu'un vous donnerait 10 ans, 20 ans, 70 ans d'existence pour que vous lui donniez 2 minutes chaque fois et vous dites tout le jour dans la prière que vous lui appartenez. Quelle est cette chose que vous voulez acheter pour vous-même, que vous voulez utiliser que pendant 2 minutes? Allez, imaginez votre véhicule. Il ne marche que pendant 5 minutes et vous ne savez même pas à quel moment de la journée. Donc vous allez démarrer, hop, ça ne marche pas maintenant. Un jour, Jésus, pour bien illustrer sa relation avec Israël, il est allé devant un figuier, il a vu que ça ne donnait pas de fruits. Ce n'était même pas la bonne saison. Mais juste pour montrer son autorité, il a maudit ce figuier. Quelques temps après, ils sont rentrés par là, les apôtres lui font remarquer, ils disent, regarde le figuier que tu avais maudit, il est complètement sec. Il voulait leur montrer à la fois c'est le pouvoir de la parole, que lorsqu'on déclare une chose, elle s'accomplit. Mais il voulait aussi démontrer que combien il est venu en son temps et le peuple ne l'a pas reçu. Mes amis, Dieu, il est beaucoup plus Dieu que vous le pensez. Dieu n'est pas un être spirituel qui ne s'intéresse pas de nos vies et qui veut juste qu'on vienne fermer nos yeux et faire de la religion. Non, il s'agit d'une relation ici. Et dans cette relation, il est important d'exprimer cela. L'adoration est aussi une conversation. À un moment de votre journée, vous ne devez avoir rien d'autre à faire que parler avec Dieu dans l'adoration. Pas le jour où il y a culte, le jour où vous faites absolument votre culte personnel. Et c'est quand? C'est tout le jour. Matin, midi, soir, à l'heure de votre pause, même quand vous roulez par vous-même, Dieu entend. Vous faites 1 heure de trajet, dans tout le cas ici, chaque fois qu'on demande, c'est où? C'est à 15 minutes, c'est à 20 minutes, c'est à 10 minutes. Moi, j'imaginais une application pour que les pasteurs sachent à quel moment les gens vont être à l'église. Il suffit de vous connecter sur toutes les applications de GPS. Vous savez que sur chaque membre de l'église, il y a une heure bien particulière qui dit à combien de minutes tu vas arriver à l'église. Moi, si je me connecte chez vous tous, je sais que le frère fidèle, il arrive dans 12 minutes, la sœur. Au bout d'un moment, je sais que tout le monde doit arriver ici dans quelques minutes. C'est tellement prévisible. On sait que dans 12 minutes, dans 15 minutes, dans 20 minutes, les gens vont arriver. Il y a des gens qui se rendent au boulot pendant, ils conduisent pendant 1h30.
1h30 de quoi? Pasteur, je n'ai pas le temps de prier, il y a beaucoup de boulot. Mais tu as 2 heures de prière. Non, mais pasteur, quand je conduis, j'ai un peu la pensée ailleurs. Où? Où? C'est dangereux d'être dans la même voiture que toi, parce que quand on est là, toi, tu as les pensées ailleurs. C'est qui conduit alors? Ça fait 1 heure de prière. Vous savez, la vie n'est pas la même à toutes les saisons. Il y a des saisons où on a un peu plus de temps, il y en a d'autres où on en a moins. Mais on doit maximiser chaque minute. Vous savez, j'étais une fois en Israël en train de voir une découverte. On montrait comment David, quand il a fait sa petite cité, il a fait une sorte de corridor qui le permettait de quitter le palais royal et de se retrouver directement au temple, secrètement. Parce que maintenant, avec ses nouvelles fonctions, c'est devenu difficile. Le roi devait faire un système où il entre par cette porte et il entre secrètement. Et il se retrouve directement au temple en train de prier. Il y a des moments où vous avez le temps de prier. Il y a un moment où le seul auditoire qui écoutait les cantiques de David, c'était les moutons. Et les, voilà. C'était ça son répertoire. Il était vendu sur Aïe Mouton. Les seules personnes qui entendaient ces cantiques, c'était eux. Jusqu'un jour, c'est le roi seul qui devait entendre ces cantiques. Jusqu'à un moment, il n'avait plus le temps. C'est lui qui devait entendre les gens. Il devait donc sécuriser sa relation avec Dieu. Mes amis, il n'y a personne qui viendra un matin vous dire, écoute, ça c'est ton moment de prière, on ne te dérange pas. Non, il n'y aura pas une annonce sur Internet, pub, avant la vidéo, le temps de prière de tous les chrétiens. En ce moment, désabonnez-vous, concentrez-vous. Non. Vous devez sécuriser votre moment d'intimité avec Dieu. Vous devez vous battre avec ça. Est-ce que ça ne sonne pas déjà entendu? C'est la même chose avec toutes les relations. Ce n'est pas à force de rester dans la même maison que votre mariage va pour le mieux. Hey, vous devez sécuriser, vous battre pour manger ensemble, trouver des temps de qualité ensemble. Parce qu'à force de rester ensemble, vous pouvez être déjà en train de perdre cette relation. Même adresse, mais n'étant plus au même endroit. Ce n'est pas le fait de venir à l'église, c'est le fait de sécuriser cette relation avec Dieu. Dieu, j'ai besoin de toi pendant la journée. Et vous savez quoi? Il est tout le temps disponible. Il n'attend que ça. Il attend qu'on vienne lui dire, voilà, Seigneur, je veux te parler, Seigneur. Il est tout le temps disponible. Vous n'avez même pas besoin de composer un numéro avant. Dans votre voiture, c'est là que vous pouvez dire toutes les choses qu'on ne peut même pas dire à haute voix. On avait un frère à l'église à l'époque. Chaque fois qu'on priait, il arrivait des fois où voilà, on a un sujet de prière, on va confesser nos péchés devant le Seigneur, que le Seigneur ait pitié de nous. Bah, on parlait tous français, lingala, mais on ne savait pas qu'il connaissait d'autres langues. Alors, il pouvait parler le portugais. Le seul moment où il parlait le portugais, c'est quand on confessait les péchés. Vous avez compris? C'est pour que le voisin ne sache pas de quoi il est en train de parler. Alors, dès que c'était le moment de... Il parle en langue ou bien... Vous pouvez dire ça dans votre voiture. Personne. Avec une bonne musique en train de glorifier le Seigneur. Pasteur, est-ce que ça compte? Bien sûr que ça compte. Ça ne veut pas dire que vous devez absolument être à genoux. Dans une chambre. Votre voiture là, c'est la chambre. C'est pourquoi vous avez des chaises dedans. C'est une petite maison qui bouge. Restez là dans votre lieu secret. C'est d'ailleurs un lieu secret, plus secret que toute autre chose. N'est-ce pas? Alors, quand vous croyez que vous n'avez pas assez de temps à la maison, maximisez le temps que vous avez en véhicule. Priez pendant ce moment-là. Glorifiez le Seigneur. Adorez. Ayez de conversations. Alors, pasteur, on dit quoi dans cette conversation? C'est cela tout le problème. On sera en train de se dire quoi? Mais avant de vous dire les deux choses et d'arrêter de vous embêter et de m'en aller vite. J'aimerais quand même dire la quatrième et la dernière vérité. L'adoration dépend de la connaissance personnelle de Dieu, de la foi en lui et de la maturité spirituelle. On peut dire beaucoup de choses, mais je résumais ces trois d'abord. L'adoration dépend de ces trois choses. Premièrement, de la connaissance personnelle qu'on a de Dieu, de la foi en lui
et de la maturité spirituelle. Romains chapitre 2 dit quelque chose de fantastique. Il dit, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour nous tous. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa divine puissance et sa gloire éternelle se voient comme à l'œil lorsqu'on le regarde dans ses ouvrages. C'est-à-dire que ce qu'un homme peut vouloir savoir de ce que Dieu est, Dieu lui-même l'a exposé. On peut connaître de Dieu manifeste pour tous, Dieu lui-même l'ayant fait connaître. Dieu, pour qu'on connaisse Dieu, c'est Dieu qui doit se faire connaître. Vous savez, même en théologie, on fait la même chose que tous les scientifiques, hein. On lui dit l'inconnaissabilité de Dieu. Ça veut dire quoi? Ouais, c'est dur. L'inconnaissabilité de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire seulement que Dieu, on ne peut pas le connaître. Mais ce qu'on peut connaître de Dieu, Dieu lui-même le fait connaître. En un mot, on appelle ça la révélation progressive de Dieu. C'est Dieu qui se révèle à nous. C'est-à-dire, on ne peut pas rester là à faire une science et à placer une méthode empirique pour savoir Dieu et faire de lui vraiment une donnée. Non, c'est Dieu qui, dans l'invisible et dans la connaissance absolue, dans l'omniscience, désire lui-même de faire révéler un aspect de lui qui touche notre intelligence, qui touche nos sens, et on commence à percevoir quelque chose sur qui est Dieu. Ça me rappelle beaucoup une chose qui s'est passée avec ma fille aînée, elle était encore toute petite. Je revenais tard à la maison et elle voulait jouer à cache-cache avec moi. Elle me dit, non papa, on va jouer à cache-cache. Je dis, ok. Ben, qui commence? Dis-moi. Elle va se cacher. Bon, elle va se cacher. Moi, j'ai dit, tu y es où? Elle dit, je suis là. Je dis, oh non, attends. Ça marche pas comme ça. T'es censé te cacher. Quand moi, je dis, tu es où? Tu dois pas dire, je suis là. Je serai tout de suite où tu es. Et puis elle dit, ah, c'est ton tour, à mon tour, à moi d'aller me cacher. Elle dit, ok, je vais me cacher. Je vais me cacher. Elle dit, tu es où? Moi, je sais comment ça marche. Je dis rien. Ça fait une bonne minute qu'elle me cherche, elle ne me voit pas. Ma femme qui vient dire, ah, toi aussi. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, non, mais tu ne peux pas te cacher durant tout le temps. Mais elle dit, mais elle a dit, on joue à cache-cache. Moi, je suis un homme sérieux, on a dit cache-cache. On n'a pas dit trouve-trouve, on a dit cache-cache. Et donc, je vais me cacher. Et ma femme, elle dit, non, c'est pas vrai. Quand est-ce qu'elle va te trouver? Vous savez, si Dieu ne voulait pas se révéler, on ne le connaîtrait jamais. Alors, je me suis dit, tiens, le seul moyen pour que ma fille me voie, je dois me révéler. Et de là où je me cachais derrière cette porte, j'ai laissé paraître ma jambe. Intentionnellement. Et quand elle passait par là, elle a vu ma jambe, elle dit, je t'ai vu. Savez-vous que Dieu est la seule personne qui dit, cherche-moi pendant que je m'y trouve? Nous jouons pas à cache-cache avec Dieu. Il nous demande de nous chercher parce que c'est lui qui se révèle. Alors, le niveau de l'abnégation, de la conscience de ce que c'est que l'adoration dans la vie de quelqu'un, dépend de sa façon d'avoir compris qui est Dieu. Du coup, il y a des gens qui peuvent... Voilà, du coup, c'est entré dans mon langage. J'ai appris ça ici, du coup. On a quelqu'un à côté de nous qui fait une chose que nous, on appelle folie. Oh, c'est parce que tu ne connais pas Dieu encore. Comment lui, il l'a connu personnellement? La Bible raconte le jour où le roi... Je ne parle plus du berger, je parle du roi, pas du mercenaire, du roi David, roi avec couronne sur le trône, qui va chercher l'arche de l'Éternel et qui a déjà vu comment cette arche a tué quelqu'un. La première fois, ils ont tenté de la prendre. La deuxième fois, il amène avec des louanges et des danses. Il danse, il est torse nu, il danse en public. Il danse, sa femme Michal. Regarde haut, là-bas du bâtiment, on voit le roi, en train de danser. Ouf! À notre époque, j'essaie d'imaginer ça. Moi, en train de danser comme ça. Le temps que j'enlève ma veste, avant qu'elle ne tombe par terre, je suis déjà sur Facebook.
avant que la veste tombe par terre. Je suis sur YouTube avec un titre du genre « Regardez les pasteurs congolais, les choses qu'ils font. » Avec un titre qui commence « Urgent, urgent, c'est scandaleux, regardez jusqu'à la fin. » Le roi, mes amis, pas le président, le roi. Ce qui veut dire en matière d'honneur et de majesté, la présidence n'en a pas. La royauté en a. Le roi, mes frères. Le roi. Et dehors, devant tout le monde, dansant pour Dieu. Sa femme est choquée. Quand il entre, il dit, hein, qu'est-ce que ça a valu aujourd'hui? Pourquoi le roi? S'en est-il allé se pavaner devant les servantes et les serviteurs? Quand vous écoutez les mots ou vous lisez les phrases de Michal, vous comprenez quelle était son intention première. D'habitude, dans le langage courant, on aime bien citer le masculin et le féminin après. Mais intentionnellement, on cite d'abord le féminin. Vous voyez pourquoi? Une femme jalouse qui a vu son mari faire pavaner sa poitrine devant tout le monde, il dit, pourquoi tu es allé danser devant les servantes et les serviteurs? Elle voulait vraiment dire les servantes. J'aime la réponse de David. Pour moi, c'est quand même un peu dur comme réponse. Hein? Mais c'est vrai. Écoutez ce que David lui dit. C'est pour l'Éternel. Souvenez-vous que Michal est la fille de Saül, que Saül a donné à David parce qu'il avait vaincu Goliath. Il dit, c'est pour le Dieu qui m'a choisi à la place de ton père. Touché. Oh ouais. Oh oui, 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 oui. C'est pour le Dieu qui m'a choisi là, à la place de ton père. Discussion terminée. Ça veut dire, j'en suis là parce que ce Dieu-là m'a mené ici. Vous ne savez pas ce que ça signifie, la dynastie. Ça signifie que quand il y a une royauté, vous ne pouvez jamais imaginer vous devenir roi un jour. Cette famille, tant qu'elle existe, l'histoire de devenir roi, ça vous regarde même pas. Et la royauté a quitté toute une famille. Est allé même pas à la famille d'un général, d'un militaire, est allé dans la famille d'un berger. Et pas l'aîné de la famille, chez le plus petit. Il dit, je sais ce que je fais, je sais pour qui je le fais. Si ça n'a pas de sens pour toi, ça a des sens pour moi. L'adoration, mes amis, dépend beaucoup de ce que Dieu signifie pour toi. La femme, sa femme a voulu être censée. Mais l'adoration n'est pas censée. C'est une relation. Qui êtes-vous pour dire à un couple, « Ah, franchement, vous aussi, hein, vous abusez. » Ils abusent de quoi? Ils ont eu ça chez toi? C'est leur façon de vivre leur couple. « Ah, franchement, vous, chaque week-end, vous allez manger au resto, vous abusez quand même. Hey, » C'est leur manière de maintenir leur couple. Je connais un couple ami tellement qu'il est occupé. À chaque heure de pause, il demande à sa femme qu'il se rencontre directement en centre-ville pour manger un peu ensemble. Parce qu'il sait qu'à l'heure à laquelle il va rentrer, ce sera déjà... Il veut maintenir sa relation. Donc des fois, sa femme sortait en plein salle de cours, c'est l'heure de la pause, elle doit aller rejoindre son mari pour qu'ils mangent ensemble. Ils passent quand même ces une heure-là à parler de tout et de rien pour maintenir leur couple. Il dit, mais vous dépensez beaucoup d'argent. Qu'est-ce que l'argent face à sauver notre mariage? Ce que vous dites est censé pour vous. C'est parce que vous ne connaissez pas les crises que traverse notre couple qu'on a peu de temps ensemble. Quand quelqu'un connaît comment Dieu se révélait à lui, il n'a pas de permission à demander chez qui que ce soit. Il sait ce qui se passe à l'intérieur de lui. Alors, vous le traiterez certainement d'extravagant, mais il a des raisons. Nous n'avons simplement pas les mêmes raisons. Alors, vous ne pouvez pas critiquer les raisons de l'autre. Ce n'est pas seulement la connaissance personnelle de Dieu, c'est aussi la foi en Dieu. Comment on croit en Dieu? Quand quelqu'un croit en Dieu d'une certaine manière, ça dicte toute son adoration. Mais c'est aussi la maturité spirituelle. Quand quelqu'un a grandi à un certain niveau, il fait deux choses. Et tu te dis, mais pourquoi il a fait ça? Attends un jour, tu verras. Tu dis, mais quand même, c'est trop, pourquoi il peut faire ça? Un jour, quelqu'un me racontait comment il donnait 40% de son salaire, comme la dîme au Seigneur. Je lui disais, oh, franchement, 40%,
J'aime Dieu, hein, mais bon, franchement. Le jour où je me suis retrouvé à commencer à faire monter chaque fois les pourcentages, ma contribution, ma dîme ou quoi, je n'en revenais pas que c'était moi. Il y a des choses qu'il ne faut pas condamner quand vous ne savez pas encore ce qui se passe vraiment. Ah, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. Si vous avez dit non, ce n'est pas votre problème. Vous n'avez pas besoin de le convaincre. Il est déjà convaincu par autre chose. Pasteur, tu as beau parler, bien expliquer, qu'est-ce que tu veux dire? Maintenant que j'ai mes yeux fermés, j'ai un moment de conversation dans la relation qui est censé devenir un style de vie. J'ai ce petit moment de conversation avec Dieu. 10, 15, 20, 30. Vous savez, quand on ne se connaît pas encore très bien avec quelqu'un, on parle peu. À moins que ce soit les femmes qui se rencontrent à l'hôpital. Vous savez, quand elles sont mises là, à la pédiatrie, les femmes peuvent connaître le nom de tous leurs enfants. Elles n'ont pas beaucoup de problèmes. Et puis, quand elle vient à la maison, elle dit, tu connais madame? Elle a ses enfants, elle te raconte toute l'histoire. Elle dit, vous avez passé combien de temps ensemble? Non, c'était 15 minutes. Là, on attendait que le médecin appelle. Et vous avez appris tout ça. Oui. Nous, les hommes, quand on a passé 15 minutes, on parle de la température. On parle de la saison, on ne parle pas de nous intimement. Mais deux choses que je me vais vous demander d'apprendre à faire quand vous êtes en conversation avec Dieu. Au chef de chantre, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Corée, il était parmi les chantres, toute sa famille était ordonnée pour servir de chantre. Alors, il chante ce cantique. Écoutez bien. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Un autre psaume que je lis avec vous, mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Alors, ne me dites pas que quand on adore Dieu, ça doit être 2 ou 3 minutes. Avez-vous lu les psaumes 119? Ça peut prendre du temps. Alors, ce n'est qu'une question de révélation personnelle, foi et degré de maturité. Alors, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais voici les choses qui reviennent couramment lorsque les personnes expriment leur adoration dans la présence de Dieu. Premièrement, je voudrais vous exhorter, quand vous voulez adorer Dieu, parlez à la personne de Dieu. C'est-à-dire, vous parlez à la personne de Dieu, pas aux œuvres de Dieu. Et des fois, quand les gens, quand ils veulent adorer, ils commencent à dire « Oh, les montagnes, les arbres !» Ça s'appelle la contemplation. Je n'ai pas le temps pour vous apprendre les niveaux de l'adoration. Mais quand vous arrivez à adorer, c'est à lui que vous parlez. C'est comme quand quelqu'un te dit « Qu'est-ce que tu aimes en moi ?» Oh, il n'y avait pas une question qui me fait peur durant tout notre temps de fiancé avec ma femme comme ça. Et chaque fois qu'elle ramène ça pendant notre mariage, je me dis « C'est qu'il y a vraiment un problème. » Je dis « J'aimerais savoir, qu'est-ce que tu aimes vraiment en moi ?» Ouh, c'est une question philosophique incroyable. C'est-à-dire, elle-même, elle ne connaît pas la réponse, mais elle connaît la mauvaise réponse. Donc, tu ne peux pas t'arrêter à dire, tu sais, tu t'habilles bien, j'aime bien tes cheveux, dis, c'est tout ce que tu aimes, maman. Hey, yeah, yeah. Dis-moi, voilà, tu me fais bien rire. Ah. Donc, tu aurais pu épouser une comédienne. Tu dis, ok, faut que... C'est-à-dire, quand on te pose cette question, mon gars, viens me voir à la fin, je vais te donner des tuyaux pour comment. Ce qu'elle veut, c'est savoir qu'est-ce qui en elle, en tant que personne, maintient cette relation. Quelle est cette chose qui ne va pas changer? C'est pourquoi la femme pose toujours des questions sur est-ce qu'elle a pris du poids, est-ce qu'elle n'en a pas pris? Parce qu'à imaginer que dans ce monde, on est tout le temps évalué par rapport à notre extérieur. On se dit, est-ce que je suis toujours la même femme qu'il a épousée? Si je ne suis plus la même, donc la relation peut aussi tomber. Quand on adore Dieu, on ne décrit pas ses faits. Ça, on parle de la louange et de la contemplation, ainsi de suite. Quand on adore Dieu, on ne vient pas lui dire merci, ça c'est l'action de grâce. Quand on adore Dieu, on parle à sa personne, à lui qui il est. Le psalmiste l'a dit, écoutez, mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. On décrit sa personne.
Je vais peut-être être égoïste et je vais utiliser un des chants ou des chants de cantiques de Gaël où on dit par exemple qui est Dieu. On présente chaque fois la personne de Dieu. El Shaddai Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant, lui que le ciel révère, que la terre préfère, que tout l'univers vénère. Ça, c'est ce qu'on appelle l'adoration. On parle à la personne de Dieu sur ce qu'il est. Qui est-il? On passe ce temps-là à le décrire. Mais on passe aussi le temps à dire ce que l'on ressent pour lui, sur base de ce qu'il est. C'est ça une relation. C'est pourquoi le fils de Corée dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi, ô Dieu. C'est pour ça, pendant le temps d'adoration, on se retrouve à dire, Dieu, il n'y a personne comme toi. Tu remplis mon âme de ta joie. Ô Dieu, Seigneur, que je t'aime. Deuxième de choses, la première, c'était parler à la personne de Dieu sur ce qu'il est, sur ce qu'on ressent pour lui. La deuxième des choses, c'est user des parallélismes. Les parallélismes, c'est-à-dire, il y a un langage biblique, je ne vais pas passer du temps beaucoup sur ça, un langage biblique, surtout dans les psaumes, qui consiste à parler comme des paraboles. Le mot parabole veut dire placer en parallèle d'eux. C'est-à-dire que vous parlez, vous voulez expliquer une chose, mais vous mettez une autre qui lui ressemble. Quand la chose lui ressemble parfaitement, vous voulez dire que ce que je dis, c'est égal à ça. On a appelé ça un parallélisme synonymique. Mais quand vous voulez dire, vous voyez ça, ce que je dis, c'est tout le contraire de ça. C'est ce qu'on appelle un parallélisme antithétique. C'est-à-dire, on veut dire, comme une chose, ainsi, ça c'est synonymique, comme une chose, ainsi donc pas, le contraire. N'est-ce pas? Et souvenez-vous de ce que le fils de Corée dit ceci. Ils veulent exprimer leurs sentiments vis-à-vis de Dieu. Mais ils vont dans le monde animalier. L'une des choses qui vous empêche de passer du temps de l'adoration, c'est parce que vous voulez être intellectuel. L'adoration, c'est pas l'intellect. C'est comme une poésie. C'est comme ça, même quand vous voulez parler avec votre femme, vous voulez l'apprécier, vous n'apprécierez pas qu'elle. Vous allez commencer à faire des comparaisons. Dis, quand je te vois, mon cœur est en mode turbo comme mon véhicule à 4x4. Ça, c'est un langage des mécanos. Chacun puise là où il est. Mais pourquoi tu parles de véhicule? Parce qu'il faut emprunter un autre langage pour pouvoir amplifier le langage de ce qu'on entend de dire. Alors, le fils de Corée dit, comme une biche, depuis quand on est devenu biche? Du coup, il dit, Dieu, tu es de l'eau. Moi, je suis une biche. Et comme une biche soupire après de courants d'eau. Et c'est là que la Bible t'aide. Tu sais maintenant quelles images utiliser quand tu pries. Ça a maintenant du sens. Tu parles des choses qui sont dans la parole de Dieu. Et dans ton adoration, tu passes par ces comparaisons. Seigneur, et personne n'a besoin. Tu peux mettre des comparaisons en matière d'assurance, on n'en a rien à faire. Seigneur, être avec toi, c'est comme être couvert, avoir une assurance vie. Si c'est ton domaine, vas-y. Amen. Dieu sait exactement de quoi tu parles. Est-ce que quelqu'un m'entend là? Ah, rien. Pas de problème. C'est ça l'adoration. Parce que ce que tu dis, tu comprends de quoi tu parles. Et le Seigneur sait très bien de quoi tu parles. Nous, on ne comprendra pas, mais dans ton adoration personnelle, Dieu sait très bien de quoi tu es en train de parler. Utilise des parallélismes synonymiques. Un synonyme de. Écoutez-moi, c'est très difficile de converser longtemps avec l'invisible. La raison pour laquelle nous tenons dans nos conversations physiques, c'est parce que nous voyons, nous entendons la voix de l'un l'autre. On a tellement d'éléments dans la communication qui nous permettent de rester longtemps. Mais parler avec un Dieu que tu n'entends pas avec ses oreilles, que tu ne vois pas avec ses yeux, et passer 1 heure et 2 heures, pour que ton imagination puisse se maintenir, tu as besoin de produire des concepts imagés dans ta tête. Et c'est ce qu'on appelle des synonymes, des parallèles synonymiques. Jésus explique ça comme ça, il dit, « Aussi mauvais que sont vos pères sur la terre, qui vous donnent du pain quand vous demandez, et jamais une pierre, un poisson, jamais un scorpion. » Ça, c'est ce qu'on appelle maintenant un parallélisme antithétique. Il dit, « Voici, le Père est comme ça. » Vos pères sur la terre, ils sont déjà mauvais.
mais ils font quand même bien. À combien plus forte raison alors? Vous voyez ça? Et c'est à un moment donné dans la prière, c'est comme ça qu'on adore Dieu, en disant, le psalmiste dit, mon père et ma mère peuvent m'abandonner, mais Dieu ne m'abandonnera jamais. C'est ça l'adoration. Tu commences maintenant à dire, Dieu, ça sur la terre d'ailleurs, ça ne marche pas. Les hommes font ceci, mais ça ne marche pas. Mais toi, tu es au-delà de cela. C'est ça un parallèle, ce n'est pas une comparaison, c'est un parallélisme. Je n'essaie pas de comparer Dieu, mais j'essaie de donner une référence. Et regardez Jésus, quand il veut enseigner les mystères élevés des choses de l'esprit, il la tourne lui-même et dit, à quoi comparais-je le royaume des cieux? Le royaume des cieux est semblable à une semence. Il va dans le monde végétal, animalier, il veut nous expliquer, il dit, pendant que je parle encore avec un langage terrestre, vous ne me comprenez pas. Et si je parlais avec un langage spirituel? Jésus ne s'appelle pas berger parce qu'il a des brebis là au ciel. Parce que c'est une image qu'il a utilisée terrestre pour que nous puissions comprendre son degré de leadership. Est-ce que quelqu'un ne comprend pas que le péché est comme une sorte de virus qui est en train d'imprégner, de détruire le monde entier? Et que Christ, non seulement il avait le pouvoir d'éradiquer ce virus, mais de réinstaller ta machine. Et qu'au quotidien, la parole de Dieu était comme des mises à jour. Et que si vous n'en faites pas, au bout d'un moment, il y a des applications qui ne passent pas. Et qu'il y a des chrétiens, quand vous le regardez, vous avez l'impression qu'il a raté des mises à jour. Et la méditation de la parole est une mise à jour continuelle. Et que quand j'ai mes genoux à terre et que ma tête prosternée, je dis, Saint-Esprit, fais-moi des mises à jour. Aujourd'hui, je veux être à jour. Je ne veux que rien du plan de Dieu ne manque de fonctionner en moi parce que je continue à penser de la mauvaise manière. Fais-moi la mise à jour. Si vous n'avez pas de mise à jour, au bas de la montagne, Dieu peut te dire, va tuer ton enfant. Et si tu n'as pas de mise à jour, tu n'entends pas qu'au-dessus de la montagne, il dit, ne le tue plus. Mais pasteur, ce que tu dis, c'est complètement technique. Ça, c'est complètement de l'informatique. Ouais, c'est le langage que j'ai trouvé pour exprimer ma relation avec Dieu. C'est pourquoi quand Jésus te rencontre, il ne dit pas, je ferai de toi un combattant pendant que tu es pêcheur. Il dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Parce que tu comprendrais mieux cela. Et c'est pourquoi quand Jésus te rencontre, il dit, tu t'appelles Simon, je ferai de toi Cephas, tu deviens une pierre. Alors quand tu vois Jésus, il n'y a pas une autre prédication à prêcher. Le premier prédicateur de l'église s'appelait Pierre. Et sa première prédication, c'était la pierre angulaire. Il a dit, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. C'est le seul qui, dans l'épître, explique très bien. Il dit, comme des pierres, mettons-nous ensemble, formons l'édifice. Pourquoi? Parce qu'il a compris ce que ça veut dire être une pierre. Mes amis, j'aimerais que maintenant que je finis ce message, chacun de nous prenne cette conscience de se dire, j'ai besoin de vivre une relation d'adoration qui est l'expression de ma crainte de Dieu au quotidien. Et je dois avoir un moment où quand je m'arrête, je dois oublier le temps. Même si je suis dans mon véhicule, je suis en train de parler avec Dieu. Pasteur, comment je vais faire? C'est quand même un peu difficile. Je dois apprendre à mémoriser tout ça. Je dois penser, voilà, parallélisme. Allez d'abord mécaniquement, ça va devenir automatique. Ça, petit à petit, allez mécaniquement. Même si vous ouvrez d'abord vos notes avant de le commencer, faites-le. N'ayez pas peur. Ouvrez d'abord vos notes, essayez de voir. Il avait dit, ah, premier point, on va peut-être commencer d'abord par parler à Dieu sur ce qu'il est. Qu'est-ce que je sais de Dieu? Retiens même les noms, si tu en as, les noms de la Bible. Écoutez ce que le psalmiste dit. Dieu, tu es magnifique. Waouh. Dieu, tu es magnifique. Est-ce que tu l'as vu? La sensation du magnifique est en moi. Même quand je ne l'ai pas vu, quand je vois ce qui est magnifique, je ressens ça en moi. Et là, je ressens ce qui est magnifique par les œuvres qu'il a faites. Je ne peux pas te dire, je l'ai vu avec mes yeux, mais dans mon parcours de la vie, je vois qu'il y a un réalisateur magnifique qui a conçu des scénarios intelligibles et intentionnels. Dieu, tu es magnifique. Et si tu prenais les quelques minutes que tu as à commenter sur Twitter, à parler d'abord avec Dieu. Il y a des gens qui ne se donnent aucun repos s'ils n'ont pas encore mis leurs commentaires.
Je n'ai pas encore mis. Il faut que je commande. Je ne peux pas laisser ça comme ça. Si, tu peux laisser ça comme ça. Personne ne sait. Et on ne t'a pas obligé. Vous savez pourquoi maintenant le diable a un si grand combat avec la famille? Parce que c'est toute l'expression de notre relation avec Dieu. Quand les gens deviennent des piètres parents, des piètres époux, des piètres épouses, ils ne savent même plus comment maintenir la relation avec Dieu. Parce que c'est vraiment une relation où Christ est l'époux et nous, nous sommes l'épouse. Et c'est basé sur ça, complètement. Parce que quand on veut sauver son mariage, quand on veut garder son couple, garder sa famille, on vit un style de vie très différent. On laisse plus n'importe quoi comme ça. Les amis te disent, hey, Bernard, est-ce que tu ne veux pas qu'on aille prendre un verre? Le verre avec les amis, je préfère rester à la maison avec ma femme. Je sais bien que ce ne serait pas un verre. Ce serait plus. Ce serait des conversations, ça passerait tout mon temps. Et je quitterais là-bas, il y aurait des embouteillages. Et elle serait à la maison, stressée, en train de me demander où est-ce que je suis. En train de se dire, quand il viendra, je vais lui raconter ce qui s'est passé dans la journée. Mais je viendrai déjà nerveux, parce qu'un ami m'a énervé là-bas. Et à peine qu'elle dit la première fois, je dis, hey, toi aussi, moi aussi, c'est-à-dire il y a eu d'autres avant. Et je n'étais même pas la cause de ta nervosité. Celui qui commence à apprendre à maintenir sa relation avec Dieu dans l'adoration devient bon dans toutes ses autres relations. Tu n'as plus rien à cacher. Tu es tout le temps toi-même. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes dans la prière? Voici la prière que je vais nous demander tous de faire aujourd'hui. Peut-on demander à Dieu, lui dire, Seigneur, aide-moi à me rapprocher de toi mieux qu'hier. Je veux vraiment une relation. Au-delà des mots, au-delà des phrases, je veux une relation. Parlons au Seigneur, je veux une relation. Je voudrais faire que cet appel avant de descendre ici. Y a-t-il des gens ce matin qui se disent, Pasteur, tu es beaucoup revenu sur la famille, tu es beaucoup revenu sur la relation de couple. Je pense que c'est un des aspects qui est fortement combattu pour moi et qui m'empêche aussi de bien vivre ma relation avec Dieu. Voudrais-tu prier avec moi ce matin pour que ces deux formes de relations redeviennent plus équilibrées dans ma vie? Je veux être meilleur dans cette forme de relation. Je voudrais juste vous demander, s'il vous plaît, de vous lever là où vous êtes. Moi-même, je suis debout déjà. Levez-vous là où vous êtes. On va prier juste de là où vous êtes. Et pasteur, je veux devenir un meilleur père. En vous entendre, je crois que ce domaine-là demande l'attention et ça demande de l'aide. Que Dieu m'aide. Je veux devenir une meilleure mère. Je veux devenir un meilleur fils, une meilleure fille. Je pense que l'aspect de la famille va beaucoup m'aider à améliorer ma nature d'adorateur, d'adoratrice. Alléluia. J'aimerais vous demander de prendre votre main, de la mettre sur votre cœur et on va juste prier ensemble. Père, merci. Merci de nous avoir vus tels que nous sommes, d'avoir pointé du doigt les choses que l'on doit changer, mais d'avoir aussi pourvu des moyens de le changer. Tu n'es pas ce Dieu qui vient avec une façon de nous condamner et de nous faire ressentir plein de culpabilité et de nous laisser nous débrouiller par nous-mêmes. Ton esprit est là pour nous rendre capables de traduire en œuvre les instructions que tu nous donnes. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs aujourd'hui. Aide-nous à améliorer nos relations, à connaître comment apporter du nôtre dans nos relations familiales déjà. Nos relations conjugales. On veut mettre du nôtre. On ne veut pas seulement réclamer et recevoir.
Donne-nous la force de donner. De donner sans réclamer. De donner d'abord. Donne-nous de l'attention. Donne-nous de la présence. Donne-nous des paroles. Donne-nous de l'encouragement. Donne-nous de la disponibilité. Nous voulons apprendre à donner. Et nous croyons fortement qu'à travers cette vie-là, quelque chose aussi sera restauré dans notre façon d'adorer. Cette famille n'est pas toujours physique, elle n'est pas toujours humaine. Elle peut être aussi spirituelle comme l'église, comme une institution dans laquelle on travaille. Aide-nous à être des bonnes personnes qui appartiennent à des endroits. Et lorsque nous appartenons à un système, ce système-là est béni. Parce que nous y donnons du nôtre. Père, par-dessus tout ce que je demande pour cette église, apprends-nous à abonder des paroles quand nous t'adorons. À ne jamais sécher. Qu'on ait toujours quelque chose à dire à Dieu. Chaque fois qu'on y pense, à la maison, en cuisine, en train de préparer, dans le véhicule, en train de quitter un endroit à un autre, que notre vie de culte personnel soit remplie de la conversation des deux amoureux. Qu'on ait toujours quelque chose à dire à Dieu. Qu'on ait toujours la joie de lui parler. Même quand les circonstances de la vie ne ressemblent pas à ce qu'on s'apprête à dire. Mais Dieu reste Dieu. Merci pour ta fidélité. Merci d'exaucer ma prière. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très très fort?